Comme vous venez de l'entendre, il y avait de l'ambiance dimanche après-midi à l'espace culturel. La chorale des Quatre Saisons fêtait son 20e anniversaire. Pour l'occasion, nous avons rencontré M. Christian Thiel, directeur de la chorale, qui nous raconte comment elle est née. La chorale des Quatre Saisons, je faisais partie d'une chorale à Metz qui a arrêté ses activités. Et avec Michel Vol, un de mes collègues de travail, on a décidé de créer une chorale à Romba. Au début, elle n'avait pas de nom. La première répétition a eu lieu le 6 octobre 1981, il y a donc 20 ans. Quelques semaines après, on a quand même réussi à lui trouver un nom, et ce nom, ça a été celui de la chorale des Quatre Saisons. Le répertoire de la chorale est très classique, c'est-à-dire des chants profanes de la Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine, et aussi une partie d'œuvres religieuses, souvent avec accompagnement d'orgue par Bernadette Hackenberger, qui est notre organiste attitré. Donc on a déjà monté des œuvres de Gounod, Telemann. Pour célébrer l'événement, les organisateurs avaient fait appel à d'autres formations. La chorale des chœurs de Sainte-Marie aux Chênes, appelée chœur de chêne, et la chorale l'accroche-chœur de Metz. Si l'aventure vous tente, vous pouvez rejoindre les membres de la chorale tous les mardis à partir de 20h à l'école de musique.